Salut à vous et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons installer GitHub Desktop App. Donc, si on regarde à GitHub Desktop App, nous allons nous retrouver dans une situation où on va pouvoir télécharger ce petit logiciel. Ce petit logiciel ici, comme vous pouvez voir, va vous permettre de gérer des projets qu'on appelle Git. Git, c'est quoi? C'est un outil qui va vous permettre de sauvegarder vos données, de travailler en équipe et tout, de faire plein de choses ultra géniales. Mais pour pouvoir parler de tout ça, autant directement en parler dans un cours. Nous, ce qu'on va faire, c'est l'installer, puis sauvegarder un de nos projets, et ce sera déjà bien. Donc, quand on regarde à ce site web-là, on va pouvoir le télécharger pour Windows. Voici, voilà. On va lancer l'installation de GitHub App. Et celui-ci, à un moment donné, va nous demander de créer un compte. Alors, j'ai déjà créé un compte, donc je vais essayer de voir jusqu'où je peux aller sans en créer un. Et puis après, je me loguerai avec mon compte. Donc ici, on a téléchargé l'application. Elle est en train de lancer l'installeur. C'est en cours. GitHub Desktop is being installed. It launch when it's done. Donc on a juste à attendre. Voilà. Ok, ok. Il nous a lancé l'application. Voilà. Donc l'application GitHub Desktop est installée. Maintenant, il nous faut nous loguer dans un compte. Nous, on va utiliser ici Sign in GitHub. Sauf que pour se loguer, il nous faut un compte utilisateur. Alors, vous allez devoir cliquer sur Create One. Et on va faire « Hey, bonjour, je suis sur GitHub. Quelle adresse email voulez-vous utiliser ?» Eloi.teaching@hotmail.com. C'est celle qu'on a créée l'autre jour pour Microsoft. Mot de passe. Voilà. User Eloi Teaching Bis. Non, on va pas mettre Eloi Teaching parce que sinon on va être perdu. Hotmail. Voilà. Continuer. Est-ce qu'on veut recevoir le produit et les annonces? Non. Voilà, voilà. Ici, il nous demande de vérifier notre compte. Donc, on va dire qu'on va prouver qu'on n'est pas un robot. Voilà. Je ne suis pas un robot, apparemment. Il nous demande d'entrer l'adresse qu'il nous a envoyée à l'adresse email. Si je vais dans Hotmail, comme ceci, on va se loguer sur mon compte que j'ai créé dans une des vidéos précédentes. Eloi.ching@gmail.com. On espère que c'est le même mot de passe. Rester connecté, oui. Enregistrer. Voilà. GitHub nous envoie un petit numéro qu'on va devoir valider pour prouver qu'on possède l'adresse email. Voilà. On le valide. Et maintenant, on a un compte créé pour GitHub. Donc, il nous demande maintenant de nous loguer. Donc, on va pouvoir écrire Eloi Teaching Hotmail, comme ceci. Ensuite, on va mettre notre mot de passe, comme ceci. Je me serais trompé de mot de passe. Bon, c'est pas grave. On met notre mot de passe. Alors, il nous demande est-ce qu'on est un étudiant, un enseignant ou how describe yourself ou quelque chose d'autre. On est ici un enseignant. Combien de personnes vous avez dans votre équipe? Juste moi ici en l'occurrence. Est-ce qu'on veut utiliser tout ça? Il faut savoir que Git, c'est un outil qui permet de sauvegarder, de synchroniser, de travailler en équipe. GitHub, c'est un hébergeur web qui va stocker votre projet. Et en le stockant, il peut aussi vous proposer plein d'autres outils qui vont automatiser le code que vous faites. Tout ça, on n'en a pas besoin parce qu'on est débutant. Donc, on va dire non, non, tout ça, j'en ai pas besoin. Est-ce qu'on veut payer GitHub pour avoir une équipe et tout, ou est-ce qu'on veut être solo? On veut être solo. Donc, voilà ce qu'on a droit en tant qu'équipe solitaire. Donc, on va dire qu'on continue. Et nous voilà avec un magnifique compte Eloi Teaching Hotmail. Ce magnifique compte il va nous permettre de faire des tests sur GitHub et sur tout ce qui a rapport avec Git.
Donc maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'aille sur notre petit logiciel ici et que je me log. Alors, je pourrais rester sur celui-là, sauf qu'en fait, moi, c'est pas sur Eloi Hotmail qu'il faut que je sois, c'est sur mon autre compte à moi qui m'appartient. On va, hop, je vais juste me loguer, donc sign in, Eloi Teaching, voilà. Il va me demander ma double authentification parce que j'ai mis une protection pour être sûr que personne ne me hack mon compte. Donc, du coup, j'ai mis une double authentification. Je rentre le numéro qui est sur mon application. Voilà, je suis sur mon compte. Je vais sur GitHub, desktop. Je dis que je veux me loguer avec GitHub. Il va me dire, est-ce que vous autorisez cette application à avoir accès à votre compte? Donc là, je lui donne tous les droits d'utilisation. Je fais oui, tu peux continuer. Est-ce que à chaque fois que le site web GitHub a besoin de communiquer avec l'application, il peut le faire? Je vais dire oui, comme ça, il n'y a pas de problème. Et me voilà logué. Ce qui se passe, c'est que quand on utilise Git, qui est l'outil de sauvegarde et de synchronisation de fichiers, non pas GitHub, mais Git tout court, c'est un petit logiciel qui tourne sur votre PC. Il va falloir que vous ayez un nom et une adresse mail qui soient liées à vos actions. Et donc du coup, il vous demande est-ce que vous voulez utiliser votre adresse mail et votre nom de GitHub ou est-ce que vous voulez un personnel? Ici, moi, ça me va d'utiliser celui de GitHub, donc je le laisse ici, mais vous pouvez modifier ici si vous ne voulez pas avoir votre adresse email sauvegardée dans les sauvegardes. Fini. OK. Donc maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai mon logiciel GitHub Desktop qui est là, qui est présent, qui va me permettre de faire des sauvegardes. Mais pour l'instant, on a juste une interface vide. Oh cool, vous avez fini d'installer GitHub et vous êtes connecté avec votre compte. Maintenant, nous, ce qu'on aimerait bien faire, c'est on a fait un petit projet ici en Unity. Ce projet, plutôt, on a vérifié dans la vidéo précédente avec WinDirStats. Ici, on a mis le lien du projet. On a regardé et on a bien remarqué qu'il n'y avait pas de gros fichiers. Le plus gros fichier qu'on a est fait 6,3 et 4,3, c'est bon. Faut pas que les fichiers soient trop gros ou lourds. Donc ici, ça va, notre projet, il est correct. On veut le sauvegarder. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre GitHub ici et on va demander de sauvegarder un projet. Alors, le truc, c'est que pour sauvegarder un projet, il faut en avoir créé un. Alors, create a new repo on your local disk. En gros, ce qui se passe, c'est qu'il nous demande où est-ce qu'il est stocké notre projet. Il ne nous demande pas notre projet. Il nous demande pas notre projet Unity, il nous demande notre projet Git. Ce qui va se faire, c'est qu'on va aller sur GitHub, ici, et on va demander de créer un nouveau répertoire. Un nouveau répertoire, c'est un endroit où on va stocker du code. Vous voyez que là, notre beau cube, c'est du code, et Eloi Teaching, c'est du code, tout ça, c'est du code. Donc, je vais faire nouveau, comme ceci. Et dans ce nouveau truc, nouveau code, je vais l'appeler 2026. 4. Ça, c'est juste moi qui ai l'habitude de nommer mes projets avec des dates pour me souvenir de quand j'ai débuté le projet. 2024 08 poup install application démo. Voilà. Démo of file use during session of software. Ceci. During. Non, je crois que c'est comme ça. C'est avec deux R. During, peut-être. Bon, ça va, merde. File use during the installation. On le met en public pour que les gens puissent en avoir accès. Sinon, on met en privé si on veut le garder pour nous-mêmes. On ajoute un petit README pour qu'il y ait un petit README qui dise hey, bonjour, comment ça va? Et ici, vous pouvez direct d'ores et déjà ajouter Unity 3D. Ici, Unity. Et il va vous créer pour vous-même directement un petit fichier qu'on appelle .gitignore. Ça permet de dire, moi, je sauvegarde tous ces fichiers, mais j'ignore ces dossiers ou ces fichiers-là. Vous allez voir, on va regarder à ça. Voilà, on a notre magnifique projet ici qui est en ligne sur le site web de GitHub. Et on veut l'avoir localement sur notre machine. Donc on va ici retourner dans notre application GitHub, ici, et vous allez voir que maintenant il devrait avoir apparu. Install application démo.
Voilà. Si je prends ça et que je dis que je veux le cloner, il va me dire, ok, où est-ce que tu veux cloner ce fameux projet qui se situe ici? Nous, on dit, bah, on aimerait le cloner dans notre ordinateur sur U. Alors, je vais créer un petit dossier qui s'appelle Git. Ceci. Je sélectionne ce truc-là et je lui dis, bah, vas-y, sauvegarde-moi ça là-bas. Voilà. Il va me sauvegarder tout ça là-bas. Donc maintenant, j'ai ça sur ma machine. Je vais vous montrer. Yop, yop, yop. Si on dit de montrer le projet dans l'explorateur, View in Explorer, il va nous dire, hey, dans U-Git, machin, tu as ce magnifique projet README avec un petit gitignore. Le fameux README, c'est un bête fichier texte. Donc ici, vous voyez que si je vais mettre bonjour, don't you unchose this file, remember my edition, open. Là, voilà, on a notre magnifique Visual Studio Code qu'on a installé plus tôt. Bonjour à vous. Comme ceci. Hop, hop, hop. Voilà. On sauvegarde. Je reviens dans le logiciel GitHub Desktop. Et ici, vous voyez qu'il me dit quelque chose. Il me dit, tiens, j'observe que récemment, tu as changé un fichier. Ce fichier, c'est le fichier README. Et apparemment, ce que tu as fait, c'est que tu as rajouté la ligne bonjour, petit smiley. Est-ce que tu veux sauvegarder ces fichiers? On va dire oui. Et alors, on va lui donner un petit commentaire. Je dis bonjour. La communauté. Voilà. On dit qu'on va faire un commit. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ici, on va ajouter les fichiers. Donc on va faire un git add. Et on va sauvegarder, donc committer, un fichier localement. Donc là, on vient de dire, je fais une sauvegarde locale sur mon ordinateur. Le truc, c'est que maintenant, vous voyez qu'il y a un petit A avec une petite flèche qui veut dire. Est-ce que vous voulez faire monter ce fichier vers le site web de GitHub? On va dire oui, j'aimerais bien faire ce qu'on appelle un push. Push, en anglais, ça veut dire pousser. Vas-y, pousse-moi ça vers le serveur. Maintenant, si on actualise la page, hop, on peut voir que bonjour à vous est dans le README sur le site web. C'est magnifique, hein? Donc du coup, maintenant, en fait, mon projet, mon README, en tout cas, il est sauvegardé, il est là, il est tout beau, il est tout propre. Alors, petit détail, quand vous faites du Git, il y a des dossiers cachés. Et ces dossiers cachés, vous pouvez les voir seulement si vous demandez à Windows de les voir. Ici, si vous mettez afficher et que vous dites les éléments masqués et afficher les extensions de nom de fichier, ça va être ces options-là sont différentes selon Windows 10, Windows 11. Ici, je crois qu'on est sur Windows 10, donc vous, ça doit être une autre icône. Attendez, je l'ouvre. Voilà, donc si je vais dans Desktop, que je fais View, Show, ici vous voyez qu'on a nom de fichier extension et fichier caché. Donc il faut que ces deux ci soient cochés. View, Show, hop, hop, Name File, extension et High. Ok. Le fait d'avoir fait ça fait que maintenant, pop, hop, hop, Show in Explorer. Vous voyez que maintenant on voit un petit fichier qui est transparent, qui veut dire qu'il est caché. Quand on met point devant, ça veut dire qu'on veut le cacher. Git. Et dedans, on a en fait toute une architecture. Et ça, c'est tout ce qui va sauvegarder votre projet. Donc ça, c'est tous les fichiers temporaires de sauvegarde de votre projet. Alors, nous, c'est bien beau de sauvegarder un README, mais nous, ce qu'on veut faire, c'est sauvegarder un projet Unity. Donc, je vais vérifier que j'ai fermé mon projet avant de le déplacer. Vas-y, ferme-toi. Voilà. Je vais aller dans notre bullet L ici. Je vais prendre tous ces fichiers-là et je vais les déplacer ici dans notre fichier Git, dans notre dossier Git. Tadam! Comme ceci. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant si je vais ici? Vous voyez que maintenant il me dit, hey, mais j'ai détecté qu'il y a plein de fichiers qui ont changé. Là, il y a
.config, il y a projet meta, il y a tous ces fichiers qui ont changé. Et bah, c'est cool, c'est ce qu'on veut. C'est tout ça qu'on veut sauvegarder. Alors, le truc, c'est que il y a un truc qu'il ne faut surtout pas que vous oubliez, c'est le .gitignore. Ici, c'est GitHub qui vous l'a créé pour vous, mais il est super important. En gros, ici, ce fichier va dire « Hey, tu vois le dossier librairie ? Je ne le veux pas, tu peux le cacher. Tu vois le fichier temporaire ? Je ne le veux pas, tu le caches. Le build, l'objet, on ne le veut pas. » Tous ces dossiers vont être ignorés dans la sauvegarde. Et vous pouvez aussi faire ça pour des fichiers. Par exemple, il y a plein de fichiers dont on n'a pas besoin, tels que ces fichiers-là dans Unity ou ces fichiers-là sur Visual Studio. C'est des fichiers qui ne nous sont pas utiles, qui sont temporaires et qui vont polluer le projet. Par exemple, ici, dans Build, on va ignorer APK, parce que APK, c'est des fichiers de construction du jeu. C'est quand on veut le donner pour l'installer sur un Android. Et ils vont faire très régulièrement de gros, gros poids, genre 50 MO, 200 MO, 1 giga. On ne veut pas mettre ça sur Git, donc on ignore tous les fichiers APK. Mais si vous avez vraiment besoin, vous pouvez le retirer et c'est bon, ça va aller. Tout ça pour dire, c'est un fichier qui ignore tous les fichiers et les dossiers qui vont devoir être mis dans le Git. Gitignore. Ok, on a notre Gitignore, on a notre projet ici. On retourne dans notre petit logiciel GitHub Desktop qui est ici. Voilà. Il nous dit, bah, tous ces fichiers-là, tu veux les sauvegarder? On fait oui, oui, sauver mon projet. Comme ceci. Voilà, on dit qu'on sauvegarde. Donc là, il va faire un commit, c'est-à-dire une sauvegarde locale de ces 168 fichiers qui sont sauvegardés localement. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ces fichiers locaux en ligne. Donc on va faire push online, push origin, et vous voyez qu'il met tout ça en ligne. Voilà, voilà. Ok, on a sauvegardé. Donc, maintenant, si je vais en ligne, voilà, tadam, j'ai mon magnifique projet qui est en ligne. Vous voyez qu'il a ignoré tous les fichiers librairie, build, log, obg, tout ça il a ignoré, c'est ce qu'on voulait. Et donc, on a sauvegardé notre projet. Admettons que ce projet-là, vous vouliez mettre sur votre ordinateur. Comment est-ce qu'on fait? Je vais vous montrer, on va... Hop, hop, hop. Ici, je vais supprimer mon projet. Donc, oups, accidentellement, je viens de supprimer mon projet ou mon disque dur vient de cracher ou quelqu'un m'a hacké, plein de raisons. Basiquement, mon projet est en train de disparaître. Hop, hop, hop. On attend qu'il soit supprimé. Prends son temps à se supprimer. On va dire qu'il est supprimé. Donc, ce qui va se passer, c'est que si vous voulez récupérer votre fichier que vous avez sauvegardé en ligne, vous allez prendre ce petit lien là-bas, ici, hop là. Vous voyez, ça ressemble à GitHub, Eloi, tatatata, mais ça se termine par .git. Ok. Ce petit GitHub, vous allez venir ici, vous allez dire qu'on veut ajouter, cloner un répertoire, ici. Voici le lien du clone, c'est-à-dire de l'endroit où on veut prendre le projet en ligne et le mettre sur notre ordinateur. Et je veux le stocker ici dans GitHub à cet endroit-là. On dit oui. Peux-tu me sauvegarder ça à cet endroit-là? Cloner. Et vous voyez qu'ici, il va prendre le projet qui est en ligne et il va le sauvegarder localement sur notre machine. Tada! On a récupéré notre projet Unity. Parfait! Le truc, c'est que vous voyez, il y a des fichiers en moi qui sont des fichiers temporaires, et on en avait besoin de ces fichiers temporaires. Enfin, nous, non, mais le projet pour fonctionner, oui. Ce qui veut dire que quand on va ouvrir Unity ici, donc on va ouvrir Unity Hub, voilà, Unity Hub, on va lui dire qu'on veut ajouter un projet, il se trouve dans Git, à cet endroit-là, peux-tu me l'ajouter? Donc là, en fait, il va recharger le projet Unity, il va recréer tous ces petits fichiers temporaires qu'on a ignorés la fois passée. Il va tous les recréer. Donc la première ouverture va être un peu plus longue que d'habitude, parce qu'il va devoir régénérer tout ça, et puis on va être dans notre projet. Et si vous avez bien travaillé, normalement on va récupérer le même projet que quand on l'a supprimé. Et voilà, c'est juste trop génial cet outil.
Et donc voilà, ça c'est GitHub. Il y a plein de choses que vous pouvez apprendre de plus compliquées ou de plus simples, etc. dans GitHub, mais c'est le sujet d'un cours. Ici, mon but c'était juste de vous montrer comment on installe et comment ça fonctionne. Donc voilà un peu l'idée. Il y a d'autres logiciels qui permettent de faire du Git. Et il y a aussi une manière qui est de le faire en ligne de commande. Mais ici, je ne pourrais pas le faire parce que je n'ai pas installé. Si je fais Git ici, vous voyez que la ligne n'est pas reconnue. Mais si j'avais installé une petite application, je pourrais faire des petites lignes de commande ici. J'aurais pu faire Git add point pour dire sauvegarde, enfin ajoute tous ces fichiers à sauvegarder. Puis j'aurais fait Git commit-m sauver mes fichiers. Et là j'aurais sauvegardé localement mes fichiers comme on a fait. Git pull pour dire mets-moi à jour sur mes collègues. Git push pour dire vas-y, pousse tout ce que j'ai fait en ligne sur le serveur GitHub. Et là, en fait, ce que je viens de faire en ligne de commande là, c'est ce qu'on a fait en interface graphique plus tôt. L'avantage des lignes de commande, c'est qu'elles sont beaucoup plus rapides à faire. On ouvre la console, on fait poup poup poup, c'est fait. Le désavantage des lignes comme ceci, c'est que ça ne nous permet pas de voir vraiment l'évolution d'un projet. Je peux vous donner un exemple. Si je vais sur Eloi, répertoire, est-ce que j'en ai un autre beau cube? Voilà. Est-ce que c'est celui-là qu'on a fait? Commit 5. Ouais, ici, vous voyez qu'on voit la sauvegarde de qui a fait quoi, à quel moment, et ça, c'est assez important. Et alors, si on va sur Eloi Group Fork, voilà, sur ce projet-ci, avec nos étudiants, on avait travaillé à 12 personnes. Vous voyez qu'ici, il y a moi. Mais normalement, il y avait d'autres personnes aussi. Je réfléchis. Commit, tata, from Eloi Teaching. Ce serait un autre? Oui, c'est un autre. Fork. Hop, 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 de Eloi. Voilà, donc ici vous voyez que dans celui-ci, on a travaillé à 12, donc il y a beaucoup plus d'activités, et les interfaces graphiques comme celui qu'on a va nous permettre de mieux observer tout cela. Donc en gros, ici, historique, si je prends ce projet-ci, que je viens dans GitHub Desktop, que je dis que je veux le cloner sur ma machine, donc je lui donne le lien ici. Voilà, je vais le sauvegarder. Je ne pourrai pas l'éditer parce que je n'ai pas la permission de l'éditer, mais je vais pouvoir le lire vu que le projet est public. Là, je copie le projet de la personne sur mon ordinateur. Voilà, voilà. Et maintenant, je vais pouvoir observer ce projet. Vous voyez que ici, hop, 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 on a tout ce qui s'est passé dans le projet et on a les informations sur ce qui s'est passé dans les fichiers. Vous voyez? Tadam! Donc ici, par exemple, c'est quelqu'un qui a ajouté cette image-là. Il a ajouté cette image-là, cette image-là, cette image-là. Ok. Voilà, lui, il a ajouté des images sur la réalité virtuelle avec des fusils et des choses comme ça. Donc en fait, on peut aller regarder qui a fait quoi, à quel moment, dans quel fichier, et donc comprendre l'évolution du projet dans son passé. Et ça, c'est vraiment, vraiment magnifique. Il y a une petite interface graphique qui manque, que j'essaie de voir si on y a accès. View. Je regarde si on a moyen de voir les gens qui travaillent. History. Change. Non, sur GitHub Desktop, on n'a pas la vue d'ensemble. Mais on verra dans l'autre logiciel. Parce qu'après, on va installer Fork, qui est la même chose, en un peu plus complet que ce qu'on est en train de faire ici. Donc, pour le moment, c'est en train d'installer. Et donc, voilà, voilà, c'est en train de se faire. Alors, le truc, c'est que Git, c'est la racine de ce système de sauvegarde. Ce qui veut dire que vous utilisiez GitHub Desktop ou que vous utilisiez n'importe quel des autres logiciels, donc vous voyez que ici dans le cours,
on dise cmd, qui sont des lignes de commande, ça fonctionne. Desktop, ça fonctionne. Fork, ça va fonctionner. Source tree, ça va fonctionner. Donc, les quatre façons de travailler fonctionnent indépendamment les unes des autres. Dans le sens, pas comment expliquer. Vous pouvez travailler sur GitHub Desktop, ainsi que sur Fork, ainsi que sur Source tree et ainsi que CMD. Le projet reste le même car toutes les sauvegardes se trouvent là-dedans. Donc, c'est ça qui compte vraiment. Tout ce qu'on va installer ici, c'est des interfaces graphiques qui nous permettent de plus facilement travailler dans ce dossier qui s'appelle .git. Simplement. C'est très 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 pratique. Alors vous voyez que, vu que c'est la première fois qu'il rouvre Unity, il prend son temps. Hein. Donc là, il rouvre vraiment tout le projet. Je vais attendre qu'il soit ouvert avant de fermer cette vidéo, histoire que vous ayez vu que le logiciel a bien récupéré vos fichiers et rouvert le projet. Mais c'est juste que ça commence à prendre son petit temps. Et que je veux pas trop vous expliquer, parce qu'il vaut mieux expliquer peu dans une vidéo, et puis expliquer dans d'autres, histoire de pas que ce soit trop long et trop complexe. Et donc voilà. Que dire? En fait, je vais m'arrêter là, parce que je n'ai pas envie que la vidéo fasse 5 à 10 minutes de plus, juste pour le fait d'attendre que Unity s'ouvre. Comprenez bien qu'une fois que ce sera ouvert, on aura Unity comme précédemment, et on va pouvoir travailler correctement. Sur ce, je vous souhaite un bon code, une bonne sauvegarde de vos fichiers. Pratiquez Git, c'est extrêmement important de pratiquer Git. Évidemment, au moment où je dis que je vais quitter, il est en train de passer à presque ouvrir le projet. Git, c'est une matière que vous devez voir. Si vous voulez faire développeur, quel que soit le métier, que ce soit de jeu vidéo ou pas, vous allez devoir pratiquer Git. Donc pratiquez-le. Par GitHub Desktop qu'on est en train de voir ici parce que c'est vos débuts. Par des lignes de commande une fois que vous maîtriserez un peu mieux, et par Fork ou autre logiciel une fois que vous voudrez être plus concret, plus professionnel dans votre gestion de Git. Parce que un truc qui est assez important en Git, c'est de savoir faire ce qu'on appelle des branches et des retours dans le passé, et ça, il faut le pratiquer pour le maîtriser. Et donc voilà, vous voyez qu'ici on a rouvert notre projet qu'on avait supprimé, et il est toujours là, il est toujours présent, il est toujours intact. Tadam! On vient de le récupérer du site web. Donc en gros, si vous faites un projet Git et que vous le sauvegardez sur GitHub, si vous l'avez sur votre disque dur et sur GitHub, jamais de votre vie vous ne pourrez le perdre. Parce que pour que perdre votre projet, il faudrait que vous perdiez votre disque dur et GitHub, donc que GitHub soit down, qu'il disparaisse, ainsi que votre disque dur disparaisse. Et si, comme moi, vous faites des backups de vos disques durs que vous mettez dans une autre maison, que vous mettez dans une autre maison que la vôtre, vous vous retrouvez dans une situation où en fait c'est littéralement impossible de perdre un de votre projet. Ce qui a été commit et push en ligne, c'est très très rare de le perdre. Et donc voilà, sur ce, que le code soit avec vous, que les sauvegardes soient avec vous, et n'oubliez pas d'utiliser Git. À la prochaine !